bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis bien à la piscine. Oui, monsieur. Bonjour, je téléphone pour prendre quelques petits renseignements. Oui. Je voulais connaître les heures d'ouverture de votre piscine. Oui, vous avez de quoi écrire? Oui, bien sûr, attendez, je prends ça immédiatement. Je suis prêt. Voilà. Oui. Alors, nous ouvrons tous les jours à 7h45. Oui. Et nous fermons le lundi, mardi et jeudi à 19h. D'accord. Le mercredi et le vendredi, 21h. 21h, oui. Le samedi, 20h. Oui. Et le dimanche, 14h. Parfait, formidable. Et le dernier ticket est toujours donné 3 quarts d'heure avant l'heure de fermeture. Parfait. Une autre petite question, je ne vous gêne pas là, hein. Vous n'avez pas trop de monde? Non, pour l'instant, ça va, mais les écoles. Hein. Oui, oui, oui. Ah, justement, voilà, c'est la question. Quand est-ce qu'il n'y a pas toutes les écoles? Parce que je vais venir nager avec une copine à moi qui aime bien être tranquille, qui n'a pas tous les enfants, qui éclabousse. Les écoles de 8h30 jusqu'à 4h. Donc après 4h plutôt. Oui, mais n'oubliez pas, après à 5h, les clubs commencent. Hein. Ah, ça y est. Alors, ils partent à quelle heure, les clubs? Parce que, en fait, je suis... C'est souvent très tard, monsieur. Ah, moi, alors, je vais vous demander peut-être... Je m'appelle Giovanni Carlotti, je suis avec une nouvelle copine et je suis assez jaloux. J'ai pas envie qu'il y ait trop de monde qui la regarde. Elle est superbe. Et quand est-ce que c'est le mieux de venir? Le dimanche, alors, peut-être? Mais le dimanche, si vous voulez pas trop de monde, il faut être là avant 9h30. Oui, ça, c'est possible. Parce que sinon, très tôt, quand vous venez très tôt le matin, là, c'est les personnes du troisième âge. Mais ça, c'est formidable, parce qu'à côté des vieux, je suis mieux fait. Alors, elle regarde tous les vieux plissés, elle me regarde moi, elle dit « Oh, que tu es beau ». Ça, c'est bien. Quand est-ce qu'ils viennent, les vieux? Alors, de 7h45 à 8h30. Ah ben voilà, je vais venir nager avec le troisième âge. Ben écoutez, ben c'est le moment le plus tranquille de la journée. Ben oui, ben en plus ces vieux lubriques, ça ne bande plus, donc comme ça, je ne vais pas me battre dans le bassin de natation. Hein. Juste une petite question, à quelle température elle est l'eau? La grande piscine est à, attendez que je regarde en direct. Oui, parce qu'en dessous d'une certaine température... 28 degrés. Combien? 28. Ah, c'est formidable, parce qu'en dessous de 25 degrés, j'ai tendance à avoir une... une toute petite chose. Oui, oui, mais non, ici, 28 degrés. Voilà, comme ça, là... Un minimum, parce que quand une fois qu'il y a un petit peu de soleil, c'est vrai que ça peut encore grimper. Formidable. Donc, il n'y a que des vieux. L'eau est assez chaude pour que mon zizi ne devienne pas petit. Et c'est formidable. Plus qu'une question, c'est du chlore ou... Oui, c'est toujours au chlore, monsieur. Ça va, très bien, parce que là, c'est mieux pour elle, parce qu'elle a des mycoses. Et comme ça, avec le chlore, ça la soigne aussi en même temps. D'accord. C'est formidable. Est-ce qu'il y a des vestiaires communs, collectifs? Non, c'est des vestiaires séparés. Donc, les messieurs d'un côté, les dames de l'autre. C'est pas grave, on se retrouvera dans la piscine. Oui, tout à fait. Voilà, merci, je vous remercie. Hein. Je vous en prie. Et plouf. Au revoir. Au revoir, au revoir. Merci beaucoup. Formidable. J'en profiterai pour me laver.